monsieur, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Alexis. Ça vous avez passé un bon week-end? Bonjour. Bonjour, bonjour. Et enchanté, ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison avec à boire et à manger. Une émission un peu particulière aujourd'hui, puisqu'ils ont choisi de venir nous voir et vous voir pour la sortie de leur album et leur retour donc depuis 3 ans. Je suis extrêmement content, on va les accueillir immédiatement pour une chanson en live, c'est comme ça qu'on dit dans le métier, mesdames, messieurs, attention. Attention, les Rita Mitsuko, les voilà. Ça fait de la peine, mais...
Mesdames, messieurs, Loretta Mitsuko. Merci. Merci beaucoup. Loretta Mitsuko, mesdames, messieurs, quelques applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ça va bien et vous? Oui. Fred, Catherine, venez vous installer, s'il vous plaît. Merci. Fred là-bas, à côté du monsieur en noir. Et Catherine ici. À côté du monsieur en noir aussi. En gris. En gris. Oh, pareil. Oui. Ah oui, dis donc. On est en sorton. Comment ça va? Bah, ça fait plaisir. Hein. Bah, ça nous fait plaisir. Se retrouver à la télé et tout. Ouais. Et camarades qui sont ici, elles sont tous bouche bée. Alors, on va parler de votre actualité d'ici quelques minutes, le temps j'imagine, qu'on prenne un bon, petit peu notre... Bon, on a le temps, hein. Ouais, on a le temps. Il nous reste 2 minutes, donc il faut qu'on y aille très fort. Ah bah. Juste avant d'attaquer la suite, je voudrais vous présenter Bruno, qui est ici à gauche. Fred, je sais que vous êtes un garçon extrêmement concerné par tout ce qui est voyance... À mort. Chose... Hein, à mort. Vous êtes du signe du taureau. Ouais. C'est ça? Cheval. Ouais. Cheval. C'est pareil. Taureau, cheval, oui. Cheval. Ouais, c'est un peu le même genre. Et vous? Qui c'est? Moi, c'est balance et... Ah ouais, balance, ah ouais. Balance et cheval. Et c'est mon année. Balance et cheval aussi. C'est cheval, c'est coq. Ah, c'était pas cheval, ça. Ah non. C'est votre année, c'est l'année du coq. Oui, c'est cette année, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah d'accord. Si vous voulez poser une question à Bruno, profitez-en tout de suite avant que les téléspectateurs ne le fassent. Parce qu'il est très fort. Alors, j'ai posé une question qui est assez dangereuse, parce que s'il me répond par la négative, effectivement... On est très mal. On est très, très mal. Je voulais savoir si, comme je l'espère, je pourrais chanter jusqu'à la fin de ma vie, que j'espère pas trop bref, parce que si vous me dites oui, je dis si demain... Mais c'est ça, c'est oui, sûr. Oui, mais oui. On ne peut pas définir la mort des gens. Bah déjà, ça tombe jusqu'à la fin de ma vie, est-ce que je pourrais faire de la musique jusqu'à la fin de ma vie? Okay. C'est la question. Il faut tirer... Donc, vous êtes droitière ou gauchère, Catherine? Droitière. Il faut tirer alors, trois à gauche, avec la main gauche. Trois runes, une par une. Une par une, c'est vachement important. Trois, il faut j'en tire. Ouais. Et une par une. Ça va, je suis pas trop rouge? Non, bien. Bonne mine, je trouve. Ouais. Non, bien. Fred, peut-être un peu, mais... Non, ça va. J'ai mauvaise mine? Non, pas du tout. Non, le contraire. Non, pas du tout. Alors, attends, alors, allons-y. Et Bruno, évidemment, il lui faut un maximum de concentration. Posez-les sur le petit, ravissant petit tapis noir. Voilà. Grande concentration sur ce plateau. Je remercie le public ici présent. Merci. Qui permet à Bruno et à Catherine de se concentrer sur cette question. Pour le chant, bon, y a pas de problème, vous durez très longtemps. Mais en plus, il y a beaucoup de déplacements à l'étranger pour vous. Ah. International, vous voulez dire. International. Merci. Ah, c'est pas non, trop le truc de faire. Si, si, il y a beaucoup d'étrangers et aussi des pays du Sud. Amérique du Sud ou... Ah oui, oui. Ah, mais loin, ouais. pas l'Afrique du Nord, par exemple. Non. Amérique du Sud, vous verrez bientôt un contrat qui va tomber. Braché. Je pense pas, tu penses loin de Braché. Ah, vous parlez portugais également et brésilien, couramment. Braché. Je pense que toi, moi aussi. Très bien, on va se retrouver... On a le temps de prendre peut-être une question avant la publicité. Oui, on va prendre une première question pour Bruno. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Catherine. Bonsoir, Catherine. C'est moi, Catherine. Ah, Catherine, oui. Ah, vous aussi, vous appelez Catherine? Oui, Catherine, oui. Mais ça, c'est pas sympa, l'émission, non? C'est pas très cool. Ça va, mais je quand même votre... Je vais pas changer de prénom pour ça. Si, si, on va l'appeler autrement. Robert. Non, c'est moi qui vais changer de nom. Alors, Cathy. Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. 24 ans, c'est pas un problème. Posez votre question, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben, moi, il y a à peu près un an et demi, oui. J'avais prêté 40 000 francs à une copine. C'est mauvais, ça. Ben oui, c'est très mauvais, surtout qu'elle ne les a toujours pas rendus, puis qu'elle ben, n'a pas l'intention de me les rendre, alors... Ça, alors, en principe, les copains, c'est fait pour ça. Hein. On a les adresses, bah oui, hein, de toute façon. Ça, ouais. Hein, c'était pour un service. T'as une adresse pour recouvrement? Oui, vous avez une adresse, probablement. Bah, bien sûr, oui, mais je l'ai relancée plusieurs fois. Excusez-nous. Je dis, je l'ai relancée plusieurs fois, mais bon, bah, elle me dit toujours qu'il n'y a rien. Vous n'avez pas des copains un peu costauds? Mais ça n'arrangera pas mon problème. Non, mais si hein. Elle n'a pas d'argent, la pauvre, ça ne sert à rien de lui taper sur la tête, si. C'est vrai. Ah non, vous pouvez dépenser vos 40 000 francs pour les récupérer. Comment? Non, Fred a une bonne idée, c'est que vous dépensez 40 000 francs pour les récupérer. Oui. Pour l'instant, on va surtout demander à Bruno ce qu'il en pense, parce que c'est lui et lui seul qui va peut-être pouvoir répondre à cette question ce soir. Donc, allez-y, Fred. Trois de la main gauche, vous êtes droitier? Oui, je suis gauche, je suis droitier. Donc trois de la main gauche, une par une, en pensant à sa question. Ça va récupérer. Je pense à sa question. Oui. Sa question, c'est va-t-elle récupérer ses 40 000 francs auprès de sa bonne copine? Voilà, c'était une bonne amie? Bah, c'était, oui. Au départ, sûrement, oui. Et vous la voyez toujours. Mais peut-être si vous redevenez très amie avec elle, non? Oui, elle vous pourrez peut-être lui reprêter encore un peu. Elle n'est pas au loin, cette fille?
Je ne sais pas où elle est actuellement, mais elle habitait dans la même ville que moi. D'où nous appelez-vous ? De Lorient. Lorient. Parce que moi, je sens au loin, enfin, au moins que. Ou alors, c'est au moment où les choses se sont passées, vous étiez loin de chez vous ? Ben, on était en Afrique. En Afrique ? En Afrique, ouais. Ouais, c'est loin. Enfin, ça va, vous dites, c'est pas loin, elle est pas loin. Si, elle est loin de. Si, j'ai dit qu'elle était loin. Ah ouais. Si, c'est parce quand que je voyais. Quand elle a prêté les 40 000 francs, elle était en Afrique, voilà. Donc elle était loin. Ouais, elle était loin, c'est pour ça qu'au moment où ça s'est passé, c'était loin. Et mais qu'est-ce que vous faisiez en Afrique ? Ben, je travaillais. Oui, bien sûr, oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez en Afrique ? Ben, je travaillais en boîte de nuit. Avec elle, d'ailleurs. Avec elle ? Oui, oui. Et elle vous a emprunté 40 000 francs. Voilà. Et elle est partie d'Afrique. Non, je suis partie d'abord, moi. Ah, vous auriez pas dû ? Bah oui. Alors, va-t-elle recouvrer son argent ? Parce que c'est le terme. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va répondre, parce que ça ne va pas perdre de temps. Allons-y, Bruno. Il va réfléchir. Bruno. Si je réponds. Bruno. Pour moi, si. Enfin, non, vous ne recouvrez pas l'argent, quoi. Non. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous aviez un doute, maintenant, c'est clair. Ah oui, bah ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas moyen de retrouver cet argent, parce que peut-être que. Il n'y a pas eu de papier signé ? Bah, elle m'a signé un papier, mais paraît-il que c'est pas loyal. Sur un ticket de métro, non ? Non. Si, si. En Afrique. Ah, si, une reconnaissance. Il y en a des métros. Non. Ouais, on aurait pu en emmener un, comme dans Casablanca. Par exemple. Mmh. Mais il n'y a pas de métro, vous avez raison. C'est cuit, hein. Cela dit, une reconnaissance de dette, ça peut valoir. Enfin, a priori, d'après Bruno, c'est même pas la peine d'essayer. Oui, de toute façon, je m'en doutais un peu. Voilà. Là, on vous le confirme. Voilà, d'accord. Désolé. Bah mais comme grave. Ça, elle essaiera plus. Voilà, mais Patrice est un peu serré en ce moment. Si vous pouviez peut-être lui prêter, je sais pas, un peu moins. Un peu, oui. Hein oui. On vous embrasse quand même. Ouais, pas de problème, merci. Et bon courage, si vous la rencontrez, faites-lui nos amitiés. Y a pas de problème. Merci beaucoup, au revoir. Bruno, on va se retrouver après la publicité que voici. A tout de suite, merci beaucoup, immédiatement avec Catherine, Fred et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la Maison de la Radio, avec Yaeta Mitsuko, Catherine et Frédéric, qui sont encore ici. Et qui vont rester jusqu'au bout, j'espère. Ça vous, vous rappelez quand on s'était. Tu te souviens les premiers après-midi qu'on se connaissait ? C'était ici. C'était ici ? Ah ouais. Oui, c'était et ici. Et autour de la piscine alors ? C'était quoi ? C'était pas ici ça. Non, c'était pas ici. C'était ça. L'été, c'était pas ici. Et ça a pas duré longtemps, ça a duré un mois ça. Ça s'appelait Toute folle de lui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. On va prendre. Une autre question pour Bruno, allons-y. Une petite annonce à faire également, évidemment, à propos de Bruno. Je vous l'ai déjà faite l'année dernière, nous vous en parlons depuis maintenant 3 semaines. Et Bruno respecte ses engagements, c'est-à-dire que chaque semaine, il tire au sort quelques questions. 10 exactement. Dire. Vous êtes un peu plus que 10 à en poser par Minitel. Il les tire au sort, ça dure 15-20 minutes, donc vous voyez, c'est sérieux, c'est par téléphone. Et alors, Patrice n'a eu que des appels de félicitations. Et oui, les gens sont non seulement ravis de la voir, mais en plus impressionnés par la justesse de ses voyances. Voilà, donc si vous voulez vous aussi être examiné d'un peu plus près par Bruno, tentez votre chance sur Minitel, 3615 TF1, Robert Coucou. Et promis, cette semaine, il retraitera 10 appels. Voilà, une autre question pour lui. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Laurence. Pardon ? Laurence. Je m'excuse, Laurence, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous ? De Lens. De Lens ? Oui. Je ne vous entends pas très bien, Laurence. Quel âge avez-vous ? 25 ans. 25 ans, ça doit être pour ça. Posez votre question, Bruno vous écoute. Il y a à peu près un mois, là, j'ai été cambriolée. Vous avez été cambriolée ? Oui. Et j'ai des doutes sur certaines personnes et j'aimerais savoir si mes doutes sont fondés ou pas. Vous avez des doutes sur des personnes ? Oui. C'est pas vous ? Non. Non, je parlais pas de vous. Alors, vous avez des doutes sur certaines personnes, Bruno. Des personnes de mon entourage. Ah, de votre entourage. De votre famille. Ou ami. Ami. Oui. Bien. C'est l'ami qui a prêté 40 000 francs. Peut-être. Oui, c'est peut-être la même. C'est une fille ou un garçon ? Un garçon. C'est un garçon. Un ami ou comme ça ? Non, un ami. Un ami. Allez, trois c'est moi qui retire. Oui, mais il faut penser à ça. Hein. Pensez au cambriolage. Est-ce que ce sont les amis ? Votre prénom, rappelez-moi, Laurence. Laurence. Ah, je pense aux amis. Sont-ce les amis de Laurence qui l'ont cambriolé ? Ce qui serait évidemment pas très chaleureux. Moi, c'est vrai que je vois des doutes fondés parce que vous arrivez à retrouver ce qu'on vous a volé ou la personne qui l'a fait. Qu'est-ce qu'on vous a volé ? Attendez, ne dites rien. Qu'est-ce qu'on lui a volé ? Alors, si c'est pour me dire chaîne stéréo, tout ça, on sait, gourmette. Si c'est ça. Si c'est que ça. Ah. Non, il y a des choses, enfin, il y a déjà pour une belle somme d'argent. Oui. Il y a peut-être des choses, pas des bijoux ? Si. C'est pas banal ça pour un cambriolage. C'est facile toujours de coincer avec la personne qui voit. C'est sûr. Donc, c'est vrai que la personne. Vous ne pensez pas par l'intermédiaire d'une personne de votre famille ? Si,
Vous auriez été en vacances chez quelqu'un et vous en auriez parlé? En vacances Ou je sais pas, vous auriez été chez quelqu'un où vous avez pu parler, enfin dans la famille. Ah, de l'endroit où se trouvaient les bijoux et tout ça. Voilà, et donc par l'intermédiaire de la famille. Parce qu'en fin de compte, il y a une personne de la famille qui est responsable de cette histoire, mais qui a fait simplement que ramener les informations. Dis donc, elle s'est perdue de vue que vous devriez faire comme émission. C'est pas coucou. Oui, ouais. Je préfère coucou. Non, c'est pas perdu de vue, c'est mea culpa, le truc où on est de la justice et tout ça. Oui. Non. Témoin. Oui, je m'en confonds. Allez-y, pardon. Hein? Les dossiers de Pierre Bellemare, mais c'est vieux. Non, ah ça non, Pierre Bellemare, il est ici. On le connaît. Donc, donc bah, oui, je vois que c'est par l'intermédiaire d'une personne de la famille. Donc, si Pierre Bellemare aidait la justice, ça se saurait. Hein, vous retrouvez... Témoin numéro un. Vous retrouvez vos bijoux, enfin, ou la valeur de ces bijoux, et la personne sera appréhendée. Ah bon, je vais savoir, en fait, on va les retrouver. Oui, bah, c'est-à-dire du parce fait qu'on que vous va avez... voler, qu'est-ce qu'on vous... des bijoux, mais... Quoi d'autre? Télévision, mais c'est scotch, une fille. Ah, ils sont venus avec une camionnette. Ah, bah, sûrement, je crois. C'est normal. C'est des costauds, en plus. Ouais, ils étaient plusieurs. Ouais, puis ils sont balèzes et violents, il paraît. Il faut pas les embêter. Donc oui. Ouais, c'est d'abord par la famille, c'est par le biais de la famille qu'elle pourra retrouver la personne. Voilà. D'accord. Bah, c'est sympa. Alors, Marc, au moins, vous savez où c'est. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Et excusez-nous et bon courage. On va prendre un dernier appel. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Christophe. C'est Nathalie à l'appareil. Bonsoir, Nathalie. D'où vous appelez-vous? Je vous appelle de Nice. Nice? Oui. Alors, bonjour à tous. Bonjour au public. Et bonjour à tout le monde. Frédéric et Catherine? Oui, oui. Bonsoir, Rosita Mexico, que j'aime beaucoup. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Patrice. Voilà. Bonsoir. Voilà. Vous avez dit bonsoir, que vous aimez beaucoup, elle dit. Comment? J'ai fait le tour, je n'ai oublié personne. A priori, c'est non, bon. C'est vrai. Posez votre question, Nathalie. Je peux faire un petit coucou, non, Christophe? Posez votre question, Nathalie. Bon, alors, je pose ma question, Christophe. Voilà, j'étais à Paris, j'avais une très très bonne amie que j'ai perdue de vue depuis plusieurs mois, depuis que j'habite à Nice, et je voudrais savoir si je la reverrai et si nous redeviendrons amis. Alors, vous devriez faire perdue de vue. Allez-y. Vous pensez... C'était une très bonne amie? C'était une excellente amie. Mmh. Et pourquoi l'avez-vous perdue de vue? On s'est fâché dur. Ouais. Et pourquoi? Enfin, pourquoi? Ça me regarde pas du tout, mais pourquoi? Ça me regarde pas. Je retire, hein. Oui, en pensant si elle va retrouver son amie. Bah, tu vas retrouver son amie? Oui. Quel âge a-t-elle, cette amie? Elle a 35 ans. Et vous? J'ai 29 ans. 29 ans. Donc elle avait donc... 6 ans plus 29 plus 35. Bien joué. Non, 35 moins 29 plutôt. Il n'y a pas des causes de jalousie dans la rupture? Ah, comment ça nous intéresse, ça, c'est de la jalousie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, disons qu'elle est mariée. Et donc, peut-être que le fait qu'elle soit mariée ait posé des problèmes, puisque moi, je suis célibataire et son mari n'appréciait peut-être pas la relation que nous avions toutes les deux. Ah, c'est une relation très sérieuse. C'était une relation d'amitié et d'amitié très forte, oui. D'amitié très forte. Mais il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a, les filles, les jalouses, là? Oh, ouais. Amitié, j'ai dit amitié. Donc, mais parce que moi je ressens que vous savez où la contacter. Je sais effectivement où la contacter. Bah donc, faites-le. Ouais, ça c'est de la bonne voyance. Mais non, mais ça a marché. Ah. Ouais, c'est une fois que je vois. Non, mais on peut savoir où contacter les gens, mais que cette personne-là ne veuille pas forcément nous répondre dans l'immédiat. Mais ça, faut essayer pour le savoir. Mais de toute façon, il y a une reprise de contact. J'ai déjà essayé. Ah, elle a déjà essayé. Ouais, mais il y a une reprise de contact, automatiquement, il faut qu'elle insiste. Une reprise de contact. Il y a une reprise de contact. S'il y a une reprise de contact, il ne faudrait pas s'en priver. Absolument pas. Bah, c'est super. C'est bien. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et une reprise de contact... Sérieuse? Plus? Bientôt, pas bientôt? Bruno, un peu de concentration, mon vieux. Justement, je me concentre. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Plein de choses. Allez-y, allez-y. Pas avant Pâques. Pas avant Pâques. Ah, ouais. Ah. C'est pas demain. C'est pas demain. C'est pas grave. Principe, enfin, c'est pas perdu. Non, le principe. Non, mais elle reprend contact, etc. Et c'est-à-dire que d'ici pas, qu'il faut qu'elle. Faut qu'elle attarabusque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre de vue quelqu'un et d'essayer absolument de le revoir et tout ça? Non, jamais. Et vous, Catherine? Oh, oui, sûrement. C'est pas la réponse. Alors, c'est bon. Ouais, non, c'est, ouais, il faut qu'elle reprend contact. Donc, tout ça, quand même, à regarder avec beaucoup d'optimisme. Oui, absolument.
Ok. Christophe, je peux faire un petit bonjour à Aurélie, Paul et Sébastien qui vous regardent actuellement et qui seront ravis pour leur faire un gros bisou. Et moi aussi, je voudrais faire un petit bonjour en même temps qu'on est là. Alors, je fais un gros poutou. Il est où ? Un coucou à la petite Amélie qui nous écoute, ainsi qu'à sa copine Gigi. Ouais, oui. Voilà. Donc, nous avons Sébastien, Gigi, Amélie et le reste. Voilà, ne perdez pas courage et le cas échéant, tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, Bruno, pour ces voyances tout à fait épatantes, accueillies évidemment par le public pour votre départ, forcément. Merci beaucoup. Applaudis et pas accueillis. Alors, Patrice. Alors, ben, comme Bruno a dit tout à l'heure qu'ils allaient faire beaucoup de voyages et peut-être chanter dans d'autres pays, c'est peut-être pas bête d'apprendre à chanter en anglais. Fred. Hein quoi? Pardon? Oui, on a bien vu que vous étiez ailleurs. Dites donc. Est-ce que vous voudriez chanter en anglais? Chanter en anglais? Yeah, I can. Yeah. Yes. Ah bon, on va voir le professeur Zimboum qui va nous donner. Vous avez déjà chanté en anglais? Yeah, yeah, Zimboum, yeah, I can sing in English. Ok. Zimboum. Et did you sing in English before, également? Yeah, yeah. Yes, point. Yeah. En English. En English. Ah, ouais. Peut-être, oui. Je préfère quelque chose. Je sais pas. C'est pas votre truc préféré, je crois. C'est pas forcément votre truc préféré, l'anglais, si? Non, non. Hein? Que non. Pensez-vous des chanteurs français qui chantent en anglais, parfois? Comme nous, par exemple? Parfois. Eh bien, oui, ben, ce serait, moi, je trouve ça normal de chanter en anglais de temps en temps. C'est la langue européenne, après tout. Internationale. Mmh. Européenne, mais, en tout cas. Oui. Point ouais, même international. Point international, on ne va pas apprendre le polonais ou l'allemand ou l'italien. Ah, l'allemand, c'est assez international, surtout en Allemagne. Ouais. Mais l'anglais, moi, je trouve que c'est assez européen. En assez même. Européen, oui. D'accord. Et en plus, c'est international. Non, par exemple, aux États-Unis, oui, il parle pas mal anglais. Oui, oui, c'est On va rejoindre le professeur Zimboum. Comment? On va rejoindre le professeur Zimboum. Il est là? Il est là. Ici? Ici. Au secours. Derrière. Professeur Zimboum, même, messieurs, applaudissements. Vous venez avec lui quand il est venu. Patrice, venez ici. Asseyez-vous. Le professeur Zimboum va. Bah, si vous voulez lui faire un petit bisou, allez-y. Non, j'irai tout à l'heure. Alors, tiens, je vous passe les paroles. Faites passer à ton voisin. On ne sait jamais, ça peut servir. Ok, professeur, quel est le but de cette leçon aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, je souhaite accueillir les Rita Mitsouko avec deux mots de philosophie en français. Aïe. Au moment du concert, le succès a parfois un léger inconvénient. Exemple, prenons un groupe rock dont le leader s'appellerait par hypothèse Eugène. Lumineuse démonstration, c'est le titre du compte express. Excusez-le d'avance. Oui. Quand des briquets s'allument pour le groupe rock d'Eugène, plus il a de succès, moins il a d'oxygène. Bien sûr, oui. Oui. Ah ben écoutez, non, c'est un compte express et ça mérite, évidemment, l'approbation du public. Carrefour ou Avatax, Eugène. Hein? Carrefour ou Avatax, Eugène. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais c'était une chanson des Pink Floyd qui s'appelait Carrefour ou Avatax, Eugène. Ah, ah, ben vous voyez, là j'avais une lacune. Hein. Allez, la chanson, professeur Zimboum. Eh bien, directement la chanson, soit, mais... J'avais sélectionné la sonorité la plus facile des voyelles anglaises, c'est le E, qui est la réduction de A, E, I, O, U, quand on trouve ces lettres dans une syllabe non accentuée. Alors là, ce sera facile parce que... Là, on va chanter Clementine. Clementine. J'ai laissé, sous la forme de lettres fantômes, les sonorités E, les sonorités réduites, qu'on appelle des neutralisations. Alors, il faudrait montrer ça à la caméra, évidemment, voilà. Pour que les téléspectateurs chez eux puissent faire cette espèce de sorte de karaoké. Donc, déjà dans le titre, vous voyez qu'il y a une neutralisation ici. Clementine. Allez-y, faites-nous un petit exemple pour qu'on comprenne. Allons-y. Alors, vous voyez, chaque fois que c'est une lettre fantôme, on va entendre le fameux E-E-E, qui représente 25% des sons de voyelles en anglais. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine. Lived a miner, 39er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. You are lost and gone forever, grateful, sorry, Clementine. Ah, ben voilà. Bien, ben voilà, merci. C'est une chanson express. Voilà. Donc, on sait. Qu'en pensez-vous, Fred? Très bien accent. Bien. Ah ouais, oui. Il parle très bien anglais. Il parle très bien anglais. Très très bien anglais. Vous êtes anglais par vous-même, non? Vous êtes anglais non, par vous-même? Non, je suis parfaitement jurassien. Vous êtes jurassique? Pas encore dans le parc. Non, merci. Je voulais tout de même dire que cette sonorité est tellement fréquente qu'on peut former des phrases, pardon, où on va trouver 50% avec le E.
Roger. Qui se prononce vraiment comme ça. Décontractez bien la mâchoire. Faites-le bien avec la bouche comme ça, qu'on voit bien. Mais montrez-nous bien la forme de la bouche pour que tout le monde comprenne. Alors, ici, c'est Roger a donné. Bon, bien sûr, c'est une phrase surréaliste. Au mendiant surpris, un terrible buffet rempli d'énormes carottes. Roger gave to a surprise beggar a terrible cupboard full of enormous carrots. C'est chaud, une connerie. C'est très, c'est très anglais, ça. Ah, c'est très, très anglais. Ouais, c'est mon Tipiton, même. Hein. Ah oui, oui. C'est, oui, ouais. C'est entre chaud, une connerie et mes Tipiton. Ouais. C'est tout bah, professeur, merci. Oui, j'ai abrégé. J'ai abrégé, bien sûr. Mais c'est bien, oui. Vous avez bien fait. Applaudissements pour professeur Zimbo qui nous donne de temps en temps une petite leçon d'anglais. Et ce sera vraiment le jeu de l'entrée. Hein? Ah oui, ça sera bien. Ça fait du bien. Allume. Système D. Alors, si, oui, alors tout à l'heure, en plus, je vous ai annoncé, parce qu'on était ravis de vous recevoir, on était tellement contents que j'ai oublié de dire que le titre que vous alliez interpréter s'appelait « Il y a de la haine ». Donc je le dis maintenant, oui. C'est la chanson qu'on a entendue en début d'émission, mmh. C'est « Il y a de la haine ». Est-ce que c'est le titre que vous préférez tous les deux? Est-ce que c'est celui que vous avez choisi pour promouvoir, puisqu'il s'agit de ça, le disque? Est-ce que c'est... Non, moi, j'ai pas de titre préféré, mais je crois que c'est celui-là qu'on a choisi comme premier single, comme on dit. C'est ça. Single. Alors, single. Je pouvais répéter après moi. Extrait. Single. Avec simple. Un, avec... simple. 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 Avec un E comme ça. E, e, simple. E, e. Ah non, parce que vous faites cul de poule, là. C'est pas cul de poule pour le... Non, c'est single. C'est single. Pourtant, c'est l'année du coq, je devrais... Ah, oui, d'accord. Single. Exact. Single. Avec single. Le léger sourire. Alors, ça s'appelle... Single. 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 Yeah. Okay. Yeah, you got it. You alors, got it. What about your single? Que je n'ai pas là. Que je non, n'ai mais pas il n'est pas encore sorti. Ah, c'est une bonne raison. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de clip encore. Et le single ne sort que lorsque le clip est fait. Non. Ah non? Non, il est sorti. Faux. Il est sorti. Il est sorti, ouais. Faut l'acheter. Mais non, il n'est pas sorti. Mais le clip, si, il est sorti. Je te dis que non. Attends. Est-ce qu'il est sorti ou il n'est pas sorti? Elle est où, Laurence? Il est sorti. Non, mais si Fred dit qu'il est sorti. Il est sorti. Oui, il est sorti. Ah bon? Bien. Alors donc, le single étant sorti, il est sorti où? Qu'est-ce que vous faites pour que le clip, il n'arrive pas? Eh bien, parce que comme on répète la scène, on n'a pas quatre bras, donc comme on veut faire un truc bien pour le clip, eh bien, il va sortir bientôt, mais okay, bon... j'ai pas voulu... Vous avez quatre bras, tous les deux. Oui. C'est vrai, ça, oui. On n'a pas huit bras, donc, oui. Alors, donc, si c'est vrai qu'on a quatre bras. Si c'était enregistré au Maroc, pourquoi aller enregistrer au Maroc? On aime bien les Marocains. D'accord, c'est une excellente réponse. Et le pays? Oui. Hein? Et Patrice? Il y a des tendances rail, d'ailleurs, dans le... Hein? Dans le disque un peu, non? Bah, il y en a une. Le rail, on ne sait pas jouer, c'est compliqué à jouer le rail. C'est compliqué. Non, mais je veux dire, il y a des influences comme ça de plusieurs musiques. Ouais. Hein. Oui. Alors, vous pouvez nous donner quelques exercices. Ça, c'est un peu rail quand même. Ça, c'est un peu rail. Et ce n'est pas des rythmes habituels, quoi, c'est ça? Non, ça c'est rail. Attendez, en France, on écoute de tout, là. C'est incroyable, la discothèque française, on écoute des Africains, des Antillais, des Algériens. Les Américains, ça fait partie du paysage français, moi, je crois. Ouais. Je crois qu'on fait partie du paysage. Ouais. Et le rail fait partie du paysage français maintenant. Alors, est-ce que on intègre tout, nous, en France. Tout. Alors, je voulais... Toutes les influences sont bonnes à prendre. Oui, mais enfin, c'est la première fois que sur un album, vous allez comme ça, chicorer de ci et de là, certaines influences musicales. Oui, mais le président de notre maison de disques nous avait fait quand même remarquer qu'il n'y avait pas de foxtrot. C'est exact. Il n'y a pas de foxtrot. Il nous avait même proposé de l'appeler le disque comme ça. Il n'y a pas de foxtrot. Il n'y a pas de rumba non plus. Non, non c'est vrai. Ouais. Ni de cha-cha. Ni de cha-cha. Mais il y a du rap. Mais il y a un petit peu. Il y a du Gainsbourg. Oui. Oui. Ça, c'est, oui. C'est une forme musicale en soi. Oui, c'est clair. Oui. Alors, je ne sais pas, l'envie d'aller comme ça réunir ça, est-ce que ça veut dire que c'est quand même vraiment l'empreinte Mitsuko ou est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, vous avez eu envie de changer des choses de... Non, de... c'est... Oui, il faut dire oui. Oui. Et ensuite... Et oui. Oui, mais... Oui, et... Oui, mais... Bien sûr. Oui. J'ai déjà du mal à interviewer une personne, mais alors deux, je ne te raconte pas. Non, c'est d'accord, ils sont d'accord, il y a des évolutions, mais c'est quand même, c'est eux qui sont le lien entre toutes ces évolutions, c'est ça? Oui. Vous vouliez dire. Oui. C'est à peu près ça. Vous avez bien percé, vous avez bien percé. C'est vrai que vous avez fait un comité pour l'entrain dans la vie quotidienne pour... non, pas c'est... Non. Oui, c'est... Non, c'était... Enfin, ce que je voulais dire, c'était que, quand tu m'as demandé ça, Biseau d'Actuel, c'était que
j'aimais bien sauter dans la rue, chanter, rigoler, et que je trouvais qu'à Paris, souvent, on n'avait pas le droit. Alors qu'en province, oui, par contre, souvent, dès qu'on passe le sud, dans le sud, si on se met à chanter dehors, les gens vous disent. Enfin, quand on va parfois dans certaines villes de province, on n'a pas l'impression. Par exemple, ça saute partout. Oui, on n'a pas l'impression qu'ils sont accrochés au lustre du matin au soir, et d'ailleurs, qu'ils le regrettent parfois pour certains. Tu ne sais pas voir. C'est ça, bien sûr, je ne sais pas. J'ai même lu que vous chantiez très bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ouais. Non, c'est vrai ? Tout ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Voilà, ça c'est donc le dernier album d'Erika Mitsuko, même ceux qui s'appelle System D. Bon, enfin, il y a. Je crois pas que c'est la mélodie exacte. Non, il y a. Oui, non, on n'a pas le temps, Patrice. Non, on n'a pas le temps. Si vous lancez Patrice, il va chanter pendant une demi-heure. Vous êtes gentil. Alors, il y a de la haine qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a un autre titre qui est une réadaptation d'une musique de film qui s'appelait Les Allemands. Les Allemands du Pont Neuf. Voilà. C'est bien cela que vous aviez d'ailleurs écrit. Oui. Alors, qui fait quoi d'ailleurs chez vous? Vas-y, en musique. Dis. Tu fais quoi? Moi, je joue de la guitare. Ouais, et puis moi, je fais tout le reste. Un peu de basse, un peu de clavier. Catherine travaille aussi sur la musique. Hein. Taisez-vous, Patrice, laissez-les s'exprimer. C'est très partagé, en fait. Ensemble. Oui, on est tous les deux. Disons qu'en fait, elle touche beaucoup plus que moi à la SACEM, parce qu'en plus, elle écrit les textes. Et on fait la musique ensemble. Ah, d'accord. Par exemple, il y a de la haine, c'est venu comment? Est-ce que c'est vrai que c'est venu? J'ai lu ça quelque part. Elle avait des boules. Que c'est venu parce que vous êtes arrivé. Allô? Que vous êtes arrivé au studio, vous aviez. J'avais la haine ce jour-là. Mais c'est une expression, avoir la haine. On a les boules, on a la haine, c'est pareil. Être chanchon. Et j'étais vraiment énervé des trous de nez, c'était également sympathique. Comme ça, et donc vous êtes arrivé et vous avez changé. J'ai trouvé que ça allait bien, il était justement en train de faire une musique. On aurait dit des milliers d'insectes en train de ramper comme ça. Voilà, et donc c'est venu comme ça. Ouais, c'est alors venu ça, comme on ça. En a profité au début de l'émission. Maintenant, on va écouter, si vous voulez bien, vous allez vous installer avec vos camarades musiciens qui sont là, derrière. D'accord. Pour un autre morceau en live, mesdames, messieurs. Donc dans cette émission qui est en direct, qui est en public, avec un morceau interprété. En direct également par Erika Mitsuko, et ça s'appelle maintenant Patrice, Les Amants. C'est parti, on s'en va, c'est à eux. Se regardent, ils ont l'air contents. Xavier, Gérald, Noël, tout va bien? Yves, ouais. Prêt, ça va, t'es prêt? Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lerita Mitsuko, qu'on retrouve juste après cette page de pub avec des animaux tout à fait extraordinaires. Je voudrais encore quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour cette chanson live. Merci beaucoup et à tout de suite après la pub avec la télécrochée et tout ça. À tout de suite. Allons-y. Quand il l'a rencontré à la base, elle ne parlait qu'anglais, à quelques phrases. Au début, l'approcher, c'était naze, mais il ne perdait pas une occasion. Elle s'était engagée, il y était, il y a bien des années, à la guerre, et de se passer épais, sanguinaire, elle gardait un air fier, d'acier et de fer, quand she's not an easy lover. Vous avez profité un petit peu de la fin. Nous, on a profité du morceau en entier pendant la pub. Merci mille fois.
Je vous donne encore une petite salve, s'il vous plaît, pour qu'ils vous entendent bien ici, parce que vous êtes un peu loin. Voilà, pour l'heure, Tami Tsuko, et merci les garçons de nous avoir fait profiter. On a juste eu la fin après la pub, mais nous, on en a bien profité, merci mille fois. On va se réinstaller. Frédéric, Catherine. On va essayer d'enchaîner maintenant. Patrice, de quoi? Alors là, peut-être qu'il faut. Il faut peut-être un peu moins d'applaudissements. Oui, chut, chut. Ah non, non, chut, chut. Là, il faut évidemment garder un peu de calme. Fred, installez-vous. Aimez-vous les animaux, Catherine? Aimez-vous les animaux, Catherine? Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Ceux-là, ceux-là, vous les connaissez un tout petit peu. Enfin, c'est les enfants du singe de C'est comme ça, c'est ça? Voilà. Ce sont ses enfants. Enfin, c'est les frères et sœurs, en fait. Non, ça, ce sont les enfants. Ça, c'est les sœurs. Non, non, c'est les sœurs. Mais ils ont 3 mois. Ils ont non, 2 ans et 1 an et demi. Non, pas ceux-là. Tibi et Diana. Si, ah, si, si, ceux-là sont les vieux. Enfin, les vieux. Enfin, vieux. Non, non, ouais. Ils sont tout jeunes encore. Ils sont tout jeunes. Ah, non, non. C'est folle, quoi. C'est dingue. Ah, non, non, non. Arrête, ah, non, arrête. Non, Catherine. Bon, vous savez pas ce que ça peut provoquer. Vous voulez me faire assassiner? Mais arrêtez. Non, non, attendez. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Non, non, c'est très fort, c'est très costaud. Ah oui, c'est balèze. Et on ne sait pas à quel moment ça peut sauter. Une oreille comme rien. Une oreille, une tête. Moi, je suis dans un état second, là, depuis que j'ai écrit comme ça. Viens, mon titi, viens. Non, non, attendez, il reste tous les deux. Vous savez ce qu'on va faire? On va se lever, on va aller rejoindre M. Reich, qui est là-bas, qui nous attend, avec d'autres... Ça, avec d'autres. Oui, c'est pigeon. Je peux en prendre un ou... Mais il faut prendre les deux à la fois, je crois. Ah ouais, je vous laisse. Toujours ensemble. Ouais, très bien. Allez, venez, on va aller rejoindre M. Reich. Oui, bah allons-y. Vous allez rejoindre M. Reich. Hop là. Frédéric, Catherine, nous allons rejoindre M. Reich. Allons-y. D'ailleurs, c'est leur papa et leur maman, en fait. Hein. Alors, ce ne sont pas des chimpanzés, n'est-ce pas? Si, ce sont des chimpanzés, mais des chimpanzés pygmées. Et il n'y en a plus. C'est une la tête qui fait celui-là. C'est une race en voie de disparition. Il n'y en a plus que 175, je crois, dans le monde. Hein. Mais c'est vrai. C'est ça? 157. Exactement. 157 dans le monde. Il n'y a plus que 157 dans le monde. Donc vous participez, à votre façon, à la continuité de cette race spéciale. Qu'a-t-elle de particulier? Eh bien, la chose qui est, c'est est-ce que. Est-ce que Catherine peut se permettre de faire ses cris de folie ou c'est dangereux? Non, non, un peu. Hein. Me la rassurer. Ah vas-y, allez-y maintenant. De toute façon, il faut vous dire que Diana qui est ici, Max qui est ici et Blois qui est ici. Ça c'est Blois qu'on connaît. Blois, oui, qu'on connaît. Blois. Je peux, non, sa maman a fait le clip. C'est sa maman. C'est ça. C'est ça je pensais que c'était sa sœur. Non, non, c'est sa maman. C'est sa maman. C'est la maman. C'est ce que je disais. Vous avez raison. Vous voulez les prendre? On peut en prendre. Est-ce que Catherine peut en prendre un ou on peut pas les prendre? Oui, allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. Le petit Max. Prenez-le. Non, mais ça va, ils sont tranquilles. Non, non, allez, vous pouvez le prendre. Moi, je me fais gripper la fille. Voilà. Les deux à la fois. Non, mais on va pas insister. Qu'est-ce qu'on peut dire? Celui-là, il a l'air très nonchalant. Alors, des biberons, je vois. On peut dire que c'est jeune chimpanzé. Ce serait plus naturel. Oui, madame, bonne question. Non, j'ai plus de lait. Ah, madame n'a plus de lait, désolé. Okay. Mais il donne le biberon. Fais tomber les biberons, oui. Voilà, très bien. Et les bananes également, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Et les petites bananes aussi. Les bananes, c'est pour nous. Oh, ça va les énerver, ça. Ah, ça, c'est pour qui? Le biberon. Oh, ça le tente, lui. Voilà. Et lui aussi. Ah, oh, voilà. Mon costume. Tiens. Son costume de monsieur Fred. Tiens, mon titi. Adam. Non, mais il veut pas. Tiens. Ah, voilà. Tiens, mon pépère. Tu le tiens, s'il te plaît? Oui. Non, je parlais pas à vous, Patrick, je parlais au singe. Et ça, c'est pour? C'est pour moi. Non, Catherine. Si vous voulez. Ah, j'en veux bien une, ah, moi. Ben, si vous voulez. C'est mignon comme ça. Non, Patrick, celle-là est un peu mûre. Est-ce qu'on n'a pas une question? Moi, j'aime mieux les bananes un peu mûres, moi. Bon. On n'a pas une question Minitel? Si, bien sûr qu'il y a une question Minitel. La voici. Et voilà. Noyez-vous vivre sur la planète des singes? C'est une question que nous vous posons. Ah, mais il en veut plus. Qui ça? De Bibon. Hop. Il s'en va là. Tiens. Et ça, c'est pour? Et c'est pour qui, ça? Et c'est pour qui? Oh, c'est bon. Wow. Oh là. Est-ce que... Il est très énervé. Mais c'est des chiens, en fait. Allez. Non, mais faut les prendre. Attendez. Non, pas violemment, s'il vous plaît. Faut s'éviter. Ah. Mais oui, mais faut les prendre, les pauvres. Faut les prendre. Aïe. Faut pas donner un énorme coup de coude dans le singe. C'est pas moi, c'est le singe. C'est le singe. Ah non, j'ai alors... reconnu ton coup de coude, pointu, là. Alors, je sais plus quoi faire du matos, moi. J'ai des bananes, tout ça. Je suis armé, hein, déconnez pas. La particularité des. Ça qui ne se sépare pas, les petits couillons. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés ensemble. Ce sont des siamois. Exactement. Exactement. Pratiquement. Mais non, je lui fais pas mal, tu rigoles ou quoi? Elle lui fait mal, mais ils n'arrêtent pas de se faire mal. Mais ils sont ah non, comme mais ça. Ils se font pas mal, ils s'amusent. Ils sont. C'est pratique à deux, hein. Ils sont jaloux entre eux? Ils jalmincent un peu? Hop, oui. Dans la poche. Oui. Jalmincent? Il faut pas enlever la peau? Ah
Je croyais. Ah ouais. Jalmaz. Il nous reste 5 minutes, les gars. Allez, on va commencer. Il y a un télécrochet en plus. Il y a un télécrochet. On va dire quand même que M. Raj, c'est le Cirque Amar. Et que le Cirque Amar, on peut le voir du 16 au 21 novembre. Il faudra que vous reveniez pour qu'on détaille un petit peu ces bêtes-là. Hein. Oui, oui. Parce qu'ils sont vraiment épatants. Ils ne se séparent jamais, les deux couillons-là. C'est-à-dire, si, mais vous savez, c'est des petits bébés, alors. Ils ne mangent pas de bananes encore. Non, pas encore. Hein. Et vous, à 3 mois, vous mangez des bananes? Non. Ils ont 1 an et demi et 2 ans, non? 6 mois. Oh, mais n'importe quoi. Alors, est-ce que j'ai dit du 16 au 21 novembre sur la pelouse? Il est bon, la banane? Alors, on est de 5 jours. Porte d'Auteuil. Voilà, métro Porte d'Auteuil. Pelouse de Saint-Cloud. Et avec un spectacle fabuleux. Excusez-nous, monsieur Amar. Non, je ne suis pas monsieur Amar. Je m'occupe de Porte d'Auteuil avec un spectacle fabuleux. Avec eux, mais pas eux, c'est trop petit. Non, pas eux, les parents, mais Blois travaille. Hein. Blois travaille un peu. Blois travaille. Pour le faire travailler. Mais il faut dire également que dans ce spectacle, présente cette année des fameux artistes du cirque de Moscou. C'est le thème du cirque Amar cette année, c'est Paris, Moscou, Pékin. On va peut-être des éléphants ici, hein, quelques jours. Ah, fabuleux, fabuleux. Le numéro d'éléphant. Et fabuleux. C'est Madame Dourova qui présente ça, c'est fabuleux. Ah, Madame Dourova, on en avait entendu parler, c'est formidable. Il faudrait peut-être qu'on passe, excusez-moi, il faut peut-être qu'on passe au télécrochet. Oui, pardonnez-nous. Donc là, je vais vous laisser avec ça. Vous n'avez qu'à les garder. Alors, vous pouvez rappeler la date? 16 au 21. Voilà. 16 au 21, Porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil. Au novembre. Oui. Pelouse de Saint-Cloud. Pelouse de Saint-Cloud. Merci, monsieur Reich. Au revoir, madame. Et faites attention, comme a dit Catherine, on ne sait jamais. Même si vous n'en avez pas, il peut se précipiter. Merci beaucoup. Merci. Les Français parlent au français, oui, immédiatement. Comment? Non. Oui. Ah si. Si. Les Français parlent au français. Immédiatement, regardez, vous savez, vous avez la parole. Regardez bien Catherine et Fred, hein, surtout. Parce que vous avez éventuellement la parole si vous êtes dans la rue. Ah. Et si, regardez, parce qu'il y a Franck Le Singer qui se balade régulièrement dans la rue. Elle n'a rien à foutre de Julie, elle préfère rigoler avec le singe. Hop. Attention. Oh ben non, mon biberon. Les biberons. Attends, on va leur donner. Tu en veux un petit biberon? Mais non, mais il a déjà pris. Je ne partage pas ma tétine, moi. Ah oui? On ne partage pas ma rustine. C'est parce que j'ai entendu dire. Non, mais il y a parfois de la haine, c'est ça, dans la rue. Regarde, oui, c'est ça, Patrice. Il y a de la haine. Il y a parfois de la haine dans la rue. Alors, vous savez que vous avez la possibilité. Tu peux enlever ta main de mon micro. Vous avez... Il s'accroche, regarde. Ça s'accroche terriblement. Il s'accroche. J'ai du mal à aller. Ça, c'est les antipodiches. Non, ça, c'est Catherine. Vous savez donc que cette caméra est pour vous. Vous pouvez vous exprimer. Regardez, ça s'appelle Les Français parlent au français. Regarde-toi un petit peu. Regarde là-bas. Catherine aussi. Les Français parlent au français. Je voudrais dire aux gens qui montent dans le métro, j'en ai marre car je suis petite. Et aux heures de pointe, j'ai mon nez qui est à la hauteur de leur ceinture et c'est très désagréable. Je voudrais dire à mon mec je t'aime et maman je t'embrasse très fort. Je voudrais dire bonjour à mes poissons parce qu'ils sont très gentils. Je voudrais dire aux filles même que qu'elles sont bien roulées, ça m'intéresse pas. Je voudrais dire à ma fille qu'elle arrête de sortir le soir et je ne veux plus qu'elle sorte. J'aimerais poser une question raciste. Est-ce que le fait que je sois noir soit une raison suffisante pour me mépriser moins? Je voudrais dire aux gens, faut pas m'emmerder, faut pas me faire chier. Je voudrais dire aux gens que ma femme, elle a de très beaux poumons. Ben, il y a un truc qui m'énerve, c'est d'attendre le train. Je voudrais dire à ma fille qui est là-haut que je l'aime. Je voudrais dire à la fille que j'ai rencontrée cet été, bon, qui a été très sympa, très mignonne. Je voudrais dire que c'était un peu une salope. Je voudrais dire à ma chérie que j'ai retrouvé son parapluie. Je voudrais dire au papa de Fatima que je voudrais épouser sa fille et j'espère que ça ne lui posera pas trop de problèmes. Je voudrais dire aux gens que j'en ai marre qu'on me dise que ce sont des faux saints, ce sont des vrais. Alors, évidemment, on devait faire plein de choses dans cette émission. On n'a pas le temps de faire toutes les choses. Vous voulez quelque chose, Fred? Oui, je voulais juste voir un petit coup. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. On avait prévu un télécrochet avec C'est comme ça. Avec C'est comme ça. On n'a pas le temps de faire un intervenant au téléphone. Ah non, regarde, c'est le générique. Combien nous reste-t-il? 30 secondes. Et maintenant, plus que 29, plus que 28, plus que 27. Tout petit annonce, parce que vas-y, dépêche-toi, deux émissions sur les gens qui ont des problèmes de cheveux et les gens qui ont les mains moites. Alors, si vous avez des problèmes de cheveux ou si vous avez les mains deux moites, en même temps, c'est ici qu'il faut regarder. Ou les deux en même temps, vous faites 36-15 TF1 rubrique coucou ou 42-48-16-16 et puis on vous accueillera comme témoin. Voilà, je voulais simplement aussi souligner le fait que vous faites partie des rares chanteurs qui sortent encore des disques vinyles. Oui, parce qu'on a une platine, nous.
Ah oui, ça n'existait. Je croyais que c'était supprimé. Eh ben non, faut bien qu'on puisse écouter notre disque quand même. Ouais, c'est que tous les gars qui ont jeté leur ancienne chaîne avec un plateau, ils vont le regretter maintenant. Ah bah évidemment. Ouais, ouais. Ça s'appelle System D. Lerita Mitsuko est avec nous. Ils ont chanté deux chansons en direct, presque trois même. Merci mille fois. Portez-vous bien les deux. Vous partez en tournée, quelque chose, récemment, bientôt. Oui. Merci. Et bah, c'est coupé, on a manqué. Voilà, c'est fini. Ça, c'est PD, ça, de nous couper comme ça.